jour à Ménilmontant, nous avons fait un pèlerinage. Dans le quartier, où à 20 ans déjà, nous songions au mariage. Nous avons revu tout, tout, tout. Ça nous a fait un plaisir fou. Mais des souvenirs, le meilleur, c'est le petit café traiteur. C'est dans ce petit, petit, petit café, là-bas au fond de cette salle, que souvent tous deux par amour on a fait à ce moment bien des scandales. Pendant que le crémier de la boutique du coin criait valet, dame et roi de pique, nous imaginions que nous étions bien loin, c'est charmant d'être romantique. Nous demandions régulièrement de café crème, c'est ce qu'on prend habituellement lorsque l'on s'aime. Car on se moquait de toutes les liqueurs, des apéros, des anisettes. Puisque nous avions au fond de notre cœur la plus délicieuse amourette. Mais hélas, le petit café est maintenant méconnaissable. Le nouveau patron a tout refait, on a changé même les tables. On a changé jusqu'à son nom, dans le temps c'était chez Gédéon. Aujourd'hui c'est modernisé, ça s'appelle comme à l'Élysée. Dans le vieux petit, petit, petit café, qui n'est aujourd'hui plus le même. Comme le chagrin nous avait assoiffé, nous n'avons pas pris café crème. Nous étions tous deux presque dépaysés dans le petit coin de la salle, qui jadis connut nos serments, nos baisers, dont l'ardeur était proverbiale. Au lieu de la caissière qui souriait, l'air angélique, y a une caisse à enregistrer automatique. Et nous sommes rentrés bien tristement chez nous, regrettant qu'il faille sans cesse faire des changements dans le monde partout. Même aux souvenirs de gens.